Salut à tous, à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Cette belle journée, aujourd'hui dimanche soir. Aujourd'hui, amis, on est accompagné de Keshux et Lucas. Lucas. Salut. <laughs> <laughs> Lucas, il parle pas anglais. Il parle anglais, donc <laughs> il va pas vraiment parler. Donc voilà. Mais on est avec Keshux aujourd'hui, les amis. On a décidé de vous présenter un peu le spawn de I Factions et aussi vous parler de quelques petits trucs. Euh, donc on a décidé de faire ça ce soir avec Keshux en hein, ce dimanche soir. Donc let's go. C'est parti, je vais peut-être devoir aller manger entre-temps, mais on reprendra la vidéo de tout de suite après au pire. Euh, en fait, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc en gros les amis, euh, j'avais posté une petite vidéo, une annotation ce matin, en gros. Euh, une petite annotation sur ma chaîne YouTube pour dire que je streamais et tout. Et puis j'avais montré le spawn et beaucoup d'entre vous ont dit ouais, Ouais, hey, mon mec, pourquoi tu fais ça C'est plagi, il fais hier et tout. Donc j'ai décidé que j'allais vous présenter tout le spawn en détail et ensuite on allait parler de ça. Donc premièrement, ici ça va être le point de spawn. Quand vous allez spawn, les joueurs vont être ici. Oubliez pas les amis que le spawn est terminé à 75%. Il n'y pas totalement fini ce que vous allez voir ici c'est la dernière version qu'on va montrer sur youtube l'autre ça va être à l'ouverture donc en gros vous allez avoir ici vous allez sortir ici du spawn vous allez avoir des trucs ici inquiétez vous pas ici vous allez avoir la lucky box et vous allez avoir des euh, derrière la lucky box en gros une possibilité de voir l'ensemble du spawn donc qui donne ça mais quand vous avez plus de trucs ça donne ça voilà plus de, de trucs ça donne quelque chose de quand même assez stylé je vais juste loader tout ça pour que vous puissiez voir nickel donc Ensuite, on descend. Et là, je vais pouvoir vous montrer la structure qui est là plus tard en descendant. Donc, vous descendez de chaque côté. Mettons qu'on n'est pas en game mode. Là, parce que si on vous le montre en game mode, c'est sûr que ça va paraître trop petit. Ouais, mais là, c'est vraiment grand. C'est vraiment énorme, les gens. Donc, vous êtes rendus ici. Regardez. C'est une structure, les amis. C'est une grosse montagne. Vraiment vraiment fait, haut ouais, Et en fait, un palais moi, trunks, Voilà C'est un palais dans une montagne Donc en gros c'est ça que ça donne C'est méga stylé Il y a de l'eau qui tombe sur les côtés Qui s'en vont tout le tour des murailles Là-bas aussi où s'il y a du verre Que vous voyez ça va de l'eau aussi Enfin ça tombe du tout de le, tour... le palais il est pas fini non plus Ouais le palais euh, au-dessus Là pas, il est pas, pas terminé en... Je peux le montrer plus haut si vous voulez Mais en gros là, en chaque fini. étage Regardez ici Il y aura sûrement des, des easter eggs Des trucs comme ça Pour les gens qui essaient d'aller en haut Qui à aller en haut Etc Mais bon Continuons en mode euh, joueur, comme si on était un joueur. On descendait ici. Vous, allez, vous avez une grosse arche. En gros, une arche, c'est comme ça qu'on appelle ça, non Ah, une arche, ouais. Une arche, voilà. Ensuite, ici, ouais. Keshux, euh, t'as réaménagé ce pont. Donc, ici, c'est quoi non. déjà ouais, Ici, c'est la que, salle de staff. Fait... Ouais, c'est la salle de staff. En gros, au final. toutes les têtes du staff. Euh, un petit emplacement assez stylé. Le thème, c'est on a demandé un thème fantasy. Donc, c'est fantasy, mais quand même assez euh, cool quand même ensuite ouais. les trois portails donc Light portail top. de land portail pour se Galatoire. téléporter euh, dans la map euh, normale Galatoire. genre random randomly on s'est inspiré pour ce portail là on s'est inspiré de euh, archon de archon en ouais, gros c'est un euh, ouais. il y a un portail que tu peux prendre pour directement te téléporter aléatoirement mais je pense qu'il y a aussi euh, life fire qui le fait donc nous notre idée de base ouais. elle était déjà elle, avant que life fire sorte cette idée là était déjà inclue dans notre projet inquiétez vous pas ouais, Alors, avant la que la les gens disent V2, voilà là, euh, ici c'est le portail du Nether. Nether est N customisé, je vais pas vous montrer ça tout de suite. Euh, je vais vous montrer ça dans les prochains jours, sûrement. On va faire une vidéo spéciale que pour ça. Ensuite vous ressortez ici, vous venez. Un petit lampadaire. Vous ouais, avez des, des petites lumières, de la ouais. petite décoration. Vous avez ici un petit euh, truc qui sert à pas grand chose. Et là vous avez l'attraction le plus important euh, du serveur. Parce que je sais que les gens vont venir euh, prendre les enclumes ici. Donc la petite forge ici. Et à l'intérieur. Qui est pas terminé, bien sûr, c'est dommage, mais voilà, la table d'enchant, dans... la table d'enchant et d'autres trucs qui vont être aménagés à l'intérieur ici, on va pas vous spoil. Ensuite, le, la place la plus importante, selon moi, les amis du, du serveur, enfin, la place où les gens devraient se tenir le plus souvent, c'est ici, en dessous du spawn. En gros, qu'est-ce qu'il y a ici C'est euh, la place Il des marques, les PNJ. C'est pas terminé, les amis, mais en gros, ça va ressembler à quelque chose comme ça. En gros, ça, ça va, va être trois bien. salles. En gros, ici, ça va être la salle. Pourquoi, Kéchaks elle sera le shop pour acheter Ouais. Et en face, ce sera le shop pour vendre. Ouais, voilà. Et ici, ça va être tout, 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 tous les PNJ pour euh, échanger vos points, etc. Justement, on vient tout juste de recevoir les plugins. Donc, je les ai reçus ouais, à l'instant, ce qu'on se parle. Je les ai déjà, j'ai tous les plugins. On va installer la nouvelle machine, normalement, aujourd'hui ou demain. Donc, la machine avec l'IP et tout devrait être prêt très, très bientôt. Je suis vraiment content. Donc, la bêta devrait sortir dans quelques jours. Je vais vous annoncer ça sur ma chaîne YouTube. Euh, Inquiétez-vous pas. Le serveur est dans 1.7, les amis. Je ne sais pas si on l'avait précisé. Donc, il euh, n'y a pas de bloc de 1.8. Il n'y a pas... Euh... Il y a l'item block, donc ça c'est assez stylé. Donc, dernier truc qu'on n'a pas parlé. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai timeout? Ah, oh, j'ai timeout, mec. Ok, chocs Ok. au oh, calme. Donc, en gros, je sais pas pourquoi ça a crashé. J'ai dû euh, perdre ma connexion, je sais pas trop. En gros, ouais, j'allais vous montrer la sortie PVP. Donc, en gros, vous avez la sortie PVP ici. Et puis, en gros, ouais, vous avez une... La Warzone qui n'est pas terminée, il n'est même pas commencé du tout. En gros, ça va être plate un peu. La, la Warzone va être vraiment courte. Elle va être vraiment petite, mais on a un anti save qui en gros qui va poser une vite. Euh, comme sur les serveurs HCF en gros. Donc ça ne sera, ça sera pas vraiment euh, grave. Ensuite, dans le spawn, qu'est-ce qu'on a pas parlé Il y aura aussi un plugin de trade. Donc... Vous avez compris les amis que Ketsusama et Elok c'est les mêmes qui ont fait euh, Lightfire. En gros, ces gars-là, c'est les deux personnes les plus connues, disons, c'est ainsi dans le milieu du serveur sur IP, pour faire des spawns et aussi des plugins. Donc c'est sûr qu'il y a des trucs qui vont se ressembler. Comme le pl plugin de trade. J'ai acheté le même que, que Aoi et qui ont acheté pour leur serveur. Euh, je l'ai payé le même prix, le, le, les 20€ euros et tout et tout. Donc ouais, voilà, ensuite pour... Ouais je t'entends. Pour parler ensuite du spawn des amis, il euh, y en a beaucoup qui... J'ai dans mon petite annotation qui ont parlé de plagiat. Euh, parce qu'on avait utilisé les mêmes couleurs et un peu tout... C'est pas nous qui ah, a choisi les utiliser... couleurs. Premièrement c'est déjà le builder. Donc c'est ouais. pas nous qui avons build spawn. Ouais, Encore ça c'est vraiment important à savoir, parce qu'on sait pas faire tout ça, et puis que tout simplement, on lui a donné, on lui a donné carte libre, on lui a donné ah, carte blanche, on lui a donné carte libre, il a fait ce que lui, lui semblait, nous, ce qu'on voulait, c'était une muraille, et on lui a demandé une muraille avec trois portails, parce qu'on avait l'idée de trois portails, on lui a demandé un shop géant, donc en dessous, qui est assez grand, on lui a demandé bien une bien salle bien. du staff, et on lui a, on lui a demandé, ouais, j'ai demandé une salle du staff, et j'ai demandé ah, deux panneaux ici pour vous donner des informations sur les panneaux, donc ah. nous, c'est ce qu'on lui a demandé, ensuite... Il y avait tout, tout, les tout ça les libre. Voilà, les marchands. Okay. Et la forge et l'enchantement. Mais bon, vous avez compris les... les tout ça c'est nous qui lui avons demandé mais on lui a pas on lui a laissé libre de choisir les minerais et les bois les bois qu'il voulait utiliser donc c'est lui qui a choisi après vous allez dire oui mais il a plagié Fire et Faction et tous les erreurs qu'il a fait oui c'est sûr parce qu'un builder a toujours son style de build à lui et je pense que les gens que vous dites que c'est du plagiat c'est un manque de respect pour lui parce qu'il a passé tellement d'heures à faire ça ce spawn -là, les amis ouais, il ouais. était tout seul à créer tout ça le fin faut réaliser tout seul à faire tout 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 seul les amis donc je pense que c'est un manque de respect qu'est-ce qu que vous avez eu, c'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo hein, je vais pas vous cacher j'ai supprimé la vidéo parce que je trouvais que c'était un manque de respect envers lui-même et puis euh, ce gars-là il est tellement gentil et, il, lui il nous a aidé en faisant un spawn et puis il nous a vraiment pas fait cher Enfin je vais vous dire franchement on, on va payer vrai. 150 euros donc pour un spawn comme ça avec plein d'autres maps et tout plein de trucs qu'on vous cache encore enfin c'est des surprises c'est vraiment pas cher pour un spawn vous allez voir ça dans le futur parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'autres trucs donc on va pas vous parler directement des projets du serveur aujourd'hui c'est juste pour vous présenter le spawn et vous parlez d'un ouais, peu de la bête. Ouais et voilà. Ouais, il y a plein de trucs. Il n'y a, a rien y a qui a est encore autre. terminé, les gars. Il y aura beaucoup d'autres trucs. Ce que vous voyez en ce moment, c'est 75% du spawn. C'est vraiment pas terminé. Le haut là-bas, il n'est pas terminé. Le sous, ici, il n'est pas terminé. Il y aura plein d'aménagements un peu partout. Des arbres comme ça, il y en aura d'autres. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas terminé. On voulait juste vous parler aujourd'hui. Puis vous faire un petit spoil. Parce que beaucoup d'entre vous, vous demandent, nous demandent de spoil. Comme je l'ai dit, la Warzone n'est pas encore terminée. Euh, on sait pas, par exemple, les amis, euh, si on voudrait mettre les AP ou pas. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des AP ou pas Parce qu'on pensait peut-être juste mettre une ligne, en fond, une limite, mais après ce serait claim par le staff puis il n'y aurait pas vraiment d'AP. Les AP, il n'y aurait pas de trou serait On pas de trou d'AP, ce serait de la bedrock directement. Il y aurait juste un AP, un trou de genre 15 blocs où ce qu'une personne ne meurt pas normalement. Vous voyez ce que je veux dire? On calculerait pour qu'une personne sans stuff ne meurt pas dans une double d'AP. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ou pas c'est aussi une autre question qu'on avait. Aussi c'est quoi Oh putain j'ai tout détruit en passant ici. Ah c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais demander aussi y en a fait d'autres questions, Keshux? non il peut-être quelqu'un qui va passer justement parce qu'il vient de finir à manger là encore. Ok ok. On en verra avec lui, on doit parler de façon privée avec lui, mais oui voilà, en gros c'est ça. Aussi dernier truc les amis que je voulais vous parler, c'était qu'on a fait des modifications à la Lucky Box et tout, donc je vais vous présenter ça bientôt. La Lucky Box a eu des modifications, le truc de particules, on a écouté vos idées, on a mis la particule en gris et happy à la place des deux dernières particules que vous trouviez moches. En live bien sûr que j'avais montré que les gens trouvaient ça moche donc. On a changé, on a écouté, ne... on a écouté notre public, ne... vous les amis, c'est ça qui est important. Et puis voilà. Euh, je voulais aussi vous parler d'un petit quelque chose, les amis, vraiment qui a peut-être pas rapport avec vous, mais qui est quand même important, euh, c'est qu'il y en a beaucoup de mes abonnés qui, vous savez, que la faction réouvre en ce moment et Bon, enfin bon, je vais vous expliquer un peu vite fait. Et il y en a beaucoup. Le fondateur qui, est, qui reprend le serveur avec Fanfi euh, m'a contacté. En fait, Fanfi a changé son pseudo pour Knuckle ou quelque chose comme ça. Enfin, vous pouvez les voir par vous-même. Et puis en gros, euh, le fondateur m'a contacté. Euh, Asword, c'est un garçon super gentil et tout. Il m'a contacté et puis euh, à ce qui paraît, vous, vous insultez un peu son, son travail et tout. Euh, mes abonnements insultent son travail et tout. Et je sais pas si c'est vrai et tout. Mais je voudrais juste vous demander de respecter leur travail. Parce que euh, même si moi je suis pas ami avec Fanfi, moi je le... Enfin, on est plus amis mais euh, moi je le fin je, je veux pas de mal enfin, vous voyez je veux pas de mal à personne les amis dans la vie ça sert à rien d'avoir de la haine pour quelqu'un il suffit enfin pardonner euh, pardonner aux gens c'est beaucoup plus et puis pas juste pardonner mais bénir les gens enfin on a pas on a eu chacun nos euh, nos différents puis c'est fini maintenant eux ils reprennent leur projet avec des gens de confiance que eux ils ont confiance eux entre eux et moi je reprends mon projet avec mes amis parce que c'est eux en eux que j'ai confiance et puis voilà là il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais est-ce qu'ils remboursent pour les grades et tout je sais pas j'ai aucune idée les amis vous allez devoir voir avec eux je me souviens qu'il m'a parlé qu'il allait avoir un système de remboursement mais je veux pas dire de la merde parce que le fondateur il était super gentil avec moi et puis j'ai pas envie de ruiner tout ça enfin voilà donc je vais juste vous demander de ne pas aller insulter sur la vidéo présentation de son, de son nouveau serveur Café et tout. Et puis euh, voilà, j'espère que vous allez être sympa. Ils ont des gros youtubeurs qui vont être dessus, donc ça va, vous allez sûrement en entendre parler super bientôt. Il y a déjà Oxylate et Oxylac et Oxilac et peut-être Azendark Production aussi. Donc voilà. Je vais euh, juste vous laisser une parenthèse, de, ça sert à rien d'insulter le projet, ça sert à rien de m'insulter moi et insulter lui. Euh, le nouveau fondateur parce que regarde, dans l'histoire, le, dans le, dans on a chacun voulu faire un nouveau projet lui, il a repris CoFaction parce que, ben, c'était un beau. Ouais, il a juste euh, repris euh, l'idée et puis, il a juste repris ouais. le, le, nom de domaine et tout. Il a repris le projet parce qu'il trouvait le projet bien et puis voilà. Moi, je lui peux pas de mal, je lui souhaite la meilleure des chances et puis si vous, avez, si vous allez jouer sur CoFaction, je vais pas vous en vouloir. Enfin, c'était un projet qu'on a créé tous ensemble, ma communauté. Et c'est grâce à ma communauté que le serveur a eu une réputation, un nom. Donc maintenant, c'est sa communauté qui doivent assurer et re représenter notre CoFaction à nous, les amis. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous passer euh, comme message aujourd'hui. En espérant que le spawn vous fasse plaisir, donnez-moi notes sur le spawn. Si vous avez des idées, des trucs à rajouter, on va rajouter votre idée et votre tête cachée dans le spawn. On va cacher des têtes, des Easter eggs dans le spawn parce que ouais, je trouve va que c'est, ça, ouais. ça fait toujours, c'est toujours non, quelque ouais. chose d'intéressant et marrant à faire. Donc voilà, un Easter egg c'est quoi C'est plus des petites cachettes, des petits passages secrets et tout qui va vous amener à des shops secrets ou des trucs cachés. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc euh, oubliez pas les amis, c'est pas la version finale. 75 même peut-être moins, je dirais quelque chose comme que ça. Ouais. Peut-être même moins, 55%, 60%. Et, euh, donc fin, lui, euh, voilà. Après, il m'a dit que fin, la fin de ce week-end, le début de la semaine, les ouais. on a travaillé beaucoup dessus. Nous, on et, va euh, commander la machine euh, aujourd'hui, alors que vous sortez cette enfin, vidéo-là, on va la commander soir, ce soir. Ouais. Et puis on va l'avoir sûrement en 64 euh, Ça prend 48 heures à se faire livrer normalement, quelque chose du genre. Donc on va prendre ça, on va prendre l'IP, on, on va tout mettre en marche, on va tester avec notre équipe de testeurs, donc notre staff. Et puis ça devrait ouvrir, les amis, dans deux semaine maximum. Euh, si ça va plus loin que ça, je vous ferai euh, des cadeaux, je vous, des, je vous donnerai euh, des avant-goûts, euh, petit peu à petit peu, mais normalement. à l'heure d'aujourd'hui, tout est prêt. Donc voilà euh, ouais, des spoilers. Ouais. Euh, demain, vous allez avoir une explication complète, un tutoriel, je crois, complet du plugin High euh, Point. Euh, pas demain, dans la semaine, euh, pour que tout le monde comprenne avant l'ouverture. Vous allez aussi avoir le trailer normalement. Vous allez avoir plein de trucs qui vont sortir dans, ces, dans la semaine qui arrive. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous avez le hype pour ce serveur-là. J'espère que vous allez tous être avec nous les amis. C'est un projet que, qui m'a coûté beaucoup d'argent. Et euh, j'espère que vous allez être au rendez-vous et que vous allez venir vous amuser avec nous. Comme je dit les amis pour euh, la boutique et tout. On a, on a essayé d'être le plus juste possible et penser aux gens qui n'avaient pas nécessairement les moyens. Qui étaient, pas, qui étaient pas super riches. On a décidé de faire 5 grades. Euh, là vous allez dire ouais c'est beaucoup icon 5 grades Et euh, oui c'est beaucoup mais on a deux grades où c'est vraiment pour des personnes qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent Qui souhaiteraient quand même être VIP avoir un petit avantage Et on a aussi pris On a aussi des grades un peu plus chers pour les gens qui souhaiteraient qui souhaitent vraiment dépenser beaucoup d'argent Et aussi avoir un petit peu ou encore plus d'avantages en jeu Donc c'est pas un pay to win parce que toutes les grades seront achetables en ouais. jeu euh, à partir du deuxième mois, parce que le premier mois, le but ça va être de farmer les points pour pouvoir acheter euh, dans le deuxième mois les grades pour un mois, jusqu'à l'autre mois, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme avec vos points vous allez pouvoir avoir la, la possibilité d'acheter des grades aussi. Donc voilà, en temps et lieu, on regardera ça tout ça ensemble. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis. Qu'est-ce que, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Peut-être que j'ai oublié euh, un petit ouais. quelque chose. J'ai euh, deux trois trucs. Enfin, bah, surtout les candidatures. Il y en a beaucoup qui ont posté déjà leur candidature. Ouais. Nous on a, on a beaucoup aimé et juste, enfin, quand vous venez sur le test, vous me dites euh, ouais, euh, est-ce que tu peux lire ma candidature Est-ce que tu peux lire ma candidature on ne vous on les lit tous. Et au soir, si on les a pas lus, on va, on va les lire juste pour ouais. dire que le serveur il est, enfin, il est pas encore il est pas encore ouvert euh... donc ça sert à rien de se presser un... être de être enfin, tout vous pouvez poster c'est enfin, mieux pour vous. ouais Mais, il y a, euh, a Johanna normalement venir qui nous, nous, nous de lire leur candidature ouais quand vous postez votre candidature il y a, il y a souvent je crois que c'est tout le temps Johanna qui répond à votre candidature avec ce qui était qu'est-ce qui est moins bien qu'est-ce qui, qu qui est bien et tout si votre candidature est retenue on va la mettre en attente les temps que le serveur ouvre et on va voir si vous êtes présent et tout donc ouais allez voir ça les amis et puis si vous voulez une deuxième chance dans le fond si vous avez votre candidature a été refusée vous devez attendre un mois avant que votre candidature soit avant de une candidature juste important parce qu'il y en a beaucoup qui ont re déjà reposté même s'il si avait été refusé donc voilà euh, un autre truc que tu veux parler euh, ouais, pour les clés bêta, finalement on a décidé de... Bah non en fait il y en aura des clés bêta je vais l'expliquer ça vite fait ça, en fait ça. On va ça, faire ça. une bêta avec le membre du staff Donc un alpha disons ça ainsi Et la bêta dans le fond vous allez avoir accès au serveur un jour avant Donc va... quand vous allez accéder au serveur il va être vraiment prête Et chaque bug que vous allez trouver vous allez vous mériter une clé euh, De la lucky box donc voilà Donc Et il y aura juste 24 les... heures en gros ouais, Il va juste avoir 24 Et heures la... d'avance c'est tout <laughs> Excusez moi Et, euh, Et l'alpha euh... Ne vous inquiétez pas les, les modos joueurs, les, les guides ne seront pas avantagés parce qu'ils cherchent vraiment que des bugs en fait. Ils ouais. cherchent pas à se faire du stuff pendant l'alpha, c'est pas genre un, un, une préouverture pour, pour le staff. C'est vraiment pour trouver tous les bugs et pour vraiment qu'il y ait qu pas de problème. On vraiment qu'il n'y ait pas de problème et faire un... pour que vous quand vous venez jouer... C est, c est vous, le serveur soit bien pour vous. Que ça soit la meilleure Que ce soit optimisé voilà, ou le meilleur euh, pour vous Que, que ce soit le mieux pour vous euh, Par exemple euh, on a déjà des genre des menaces de DDoS qui arrivent de tout partout donc euh, s'il ouais. y a des lags à l'ouverture les amis ben vous allez savoir pourquoi on va se faire un peu des deux c'est sûr quand il y a un gros serveur qui ouvre les amis normalement c'est ce que ça fait et puis voilà j'espère que vous allez être au rendez-vous moi ça va me faire plaisir de vous voir euh, c'est un gros projet ça fait quoi 4-5 mois qu'on travaille dessus avec Keshux Ouais même euh, deux fois plus. Peut-être hein. plus. Depuis la, que... la, la, dernière, la, la semaine après que k soit fermée, j'avais déjà non, les boules. Moi, donc euh, ouais bah, même. Moi ouais. Avec, euh, avec Black on commençait ouais. déjà à chercher des idées. On va pas pour me le cacher parce que... Kavaxon, bon, on voyait que ça partait en couille donc voilà. Ouais, oui, enfin euh, avec Black ça faisait un moment qu'on s'en doutait. Et donc oh, on commençait déjà à chercher des idées, des, des nouveaux, un nouveau concept qui ferait un carton. Et, euh, et, que, et que vous surtout euh, puissiez aimer. Puis que dans quelques ce, mois, concept, voilà. je pourrais donc, vous révèle un... Un... C'est révol... pas un projet fait à l'arrache <laughs> ou fait à la vite. vite ouais. C'est euh, vraiment bien travaillé. On vous, ré... on vous, euh, on vous euh, réserve une grande surprise aussi, les amis, dans les prochains mois à venir. Si ça marche comme il souhaite, on aura sûrement d'autres gros projets avec euh, Keshux. Donc euh, je vais pas ouais, en on dire on plus. A vraiment, euh, à <laughs> Quoi Mais c'est vraiment un gros truc en fait. Que... Ouais, voilà. C'est vraiment énorme. En fait, mais... C'est vraiment énorme les gars. C'est quelque vraiment... chose de ouf. On espère que, que vous allez aimer. Que... Et puis euh, voilà. Donc on espère que vous allez au rendez-vous. On vous aime plus du profond de mon... notre cœur. J'ai de la difficulté à parler, j'ai faim. Donc voilà, euh, on va euh, vous retrouver très bientôt. Je vais vous poster des spoils tout au long de la semaine. Je, euh, le, dans les prochaines semaines, putain, j'ai toujours, on dirait que le serveur va ouvrir genre demain, c'est pour moi. Ça, moi, ouais. si je serais prêt. Moi, j'ai tellement hâte, les gars, Je suis vraiment content. Donc voilà, euh, je sais comme dans les vidéos, on est que moi et Keshux. Mais il faut pas oublier, les amis, qu'il y a Johanna qui s'occupe de toutes les responsabilités euh, niveau staff. Choisir le staff, euh, s'entretenir avec eux, mettre tout, que tout est bien entre l'équipe, qu'il n'y ait pas de conflit. Keshux, ce qui est qu plus de trouver les idées, s'occuper de euh, des bulles, si tout est bien construit, si tout est ci, si... Tout ça ouais, et moi je m'occupe plus de trouver des partenaires etc donc pour ma partie à moi j'aurais besoin que vous me donnez les pseudos de vos youtubeurs préférés pour que je puisse essayer de les contacter le plus vite possible pour qu'on puisse avoir des contrats avec eux pour voir s'ils peuvent venir faire des vidéos sur notre serveur etc euh, bien entendu si vous savez que le youtubeur est payant on n'a pas vraiment les moyens de payer des youtubeurs ouais, donc oubliez ça des gratuits qui veulent faire exactement pour on, bon, on a payé, enfin on essaie de payer le moins d'Youtubers, mais vraiment ouais. aucun... Aucun, non, y a aucun. YouTubeurs, aucun Il ouais. n'y a que moi qui que va que... me payer, moi je vais me donner euros, voilà, parce que je suis un beau baisse. Et non, c'est tout, je rigole. Et puis voilà. Euh projet, enfin un projet, on va pas en parler tout de suite mais avec Lucas, euh, si vous avez compris que il y a quelque chose qui s'en vient dans le futur. Hein, donc euh, si vous avez des idées, postez-les dans les commentaires, ça peut faire euh, ça peut nous en donner d'autres aussi. Et puis voilà. Euh, qu'est-ce que j'ai oublié de dire C'est tout le TS est déjà en marche. Si vous voulez venir nous rejoindre ouais, sur ts.ifactionz.fr, vous pouvez venir, vous pouvez poser des questions, il y aura tout le monde pour vous répondre euh, puis voilà aussi on n'a peut-être pas parlé mais il y a aussi Torticounet hein. on n'a pas vraiment beaucoup ouais, parlé mais faut pas, ouais. faut pas oublier personne faut pas oublier personne c'est lui qui nous aide beaucoup à financer le projet et tout donc euh, gros merci à lui euh, Johanna Keshoks moi et puis euh, Torti de... s'occupe ouais Blackboard aussi qui s'occupe du serveur fois, a et il y a, euh, après ça dans le staff bon on va faire une présentation du staff un peu plus tard euh, vous allez voir. Donc voilà. Euh, pour le trailer finalement on a trouvé Blackstar Edit. Donc euh, finalement oui, il, il va, il va faire notre trailer. Gens, en fait. Il a repris, il avait arrêté mais finalement on a réussi à, à quand même avoir un trailer. Je sais pas s'il si va finalement totalement arrêté ou il va reprendre, j'ai aucune idée. Mais ouais, on a décidé de moi, ils fait dire, nous, OK. Ils okay. Fait bah en fait, c'est ouais. parfait alors. Donc voilà. nous on va prendre le trailer de lui. Donc merci à toutes les gens qui ont proposé des des gens. Donc euh, voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire, ça fait trop longtemps qu'on est en vidéo, ça doit faire 20 minutes donc je suis désolé ouais, un, tricoté, Pour ça Vas-y, donc je laisse la parole à okay, Keshux et après je coupe ça, donc ouais, merci à ouais, tous les principe, amis euh, Pour les guides vous allez dire, enfin vous allez voir, on va arriver sur le serveur, vous allez voir qu'il y aura 7 ou 8 guides vous allez voir Et euh, vous allez dire, ouais il y a trop de guides, c'est un que je poste ma caméra Les gars, postez toujours parce qu'on va être super indulgents sur les guides en fait On va, on va vraiment vous, essayer de leur donner la possibilité à tout le monde de faire ses preuves en, en tant que guide Et euh, vraiment c'est si vraiment bon, on va le faire passer modérateur joueur donc, euh, en fait, si un guide fait euh, plusieurs euh, failles d'affilée, on va pas le laisser comme ça. On va le changer en. Peut-être qu'il pourra revenir plus tard s'il a. Ouais, ou même on va lui changé, laisser des chances. Euh, en gros, qu'est-ce qu'on veut dire C'est qu'on va être vraiment indulgent, mais on va aussi laisser des chances. En gros, voilà. un guide qui fait une erreur, tout le monde fait des erreurs, tout le monde en fait. Ah, mais si on veut vraiment le meilleur staff au monde, on veut vraiment le meilleur staff. Donc, si es guide et tu fais trop d'erreurs, c'est sûr que tu vas être envoyé. Mais tu pourras reposter plus tard ta candidature si toi tu nous prouve que tu es vraiment prêt à, à corriger ouais, les erreurs que tu as fait. fait. Et puis même chose si le guide est vraiment supérieur aux autres et on voit qu'il est, qu est vraiment investi dans le serveur ben il pourra directement passer le modérateur, même au bout d'une semaine ou deux semaines, un modérateur joueur. Donc Mais voilà. Il voilà, euh... c'est ça. Ouais. Donc je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais, oui. ben, moi, le site est, est disponible, disponible. Ben, allez vous inscrire les amis, c'est vraiment important que vous soyez inscrit. Euh, on a rajouté la page partenaire. Si vous êtes un youtubeur d'environ 1000 abonnés et que vous voulez devenir partenaire, vous allez juste à poster votre candidature dans la page partenaire. Et puis, il y a un support aussi sur le site. Si vous avez des questions, vous allez sur le support, vous mettez votre truc, on va répondre. Sur le forum aussi, si vous avez des questions. Oui, oui, tout oui, le si monde est là pour répondre. Sur voilà. Ouais. Sur ce, les amis, je vous laisse, c'était Dracon, le Pikachu, l'Internet, je vous aime tous, du plus profond de mon cœur. J'étais avec Keshux. et bonne fin de soirée. Oh.